Cherche à partir, le cœur en exil. Il aura sa place dans le navire qui s'éloigne, accroché au désir de voir le décor d'une carte postale. Il paraît que là-bas la vie est belle et pleine d'espoir, que l'on apprend aux enfants à devenir sages et bien pensants. Il paraît que là-bas le soleil brille sur les champs, que matin sur les pétales le ruisselle comme un torrent. Il paraît que là-bas les sourires sont de chaque instant, que les enfants sont rois, que l'on s'amuse en travaillant. Il paraît que là-bas les hommes vivent vieux et bien portants, que chacun mange à sa faim, que l'on partage abondamment. Il cherche à partir, le cœur en exil. Il aura sa place dans le navire qui s'éloigne, accroché au désir de voir le décor d'une carte postale. Il cherche à s'enfuir, le cœur en exil. Il aura sa place dans le navire qui s'éloigne, accroché au désir de voir le décor d'une carte postale. Il rêve d'un beau voyage, d'une terre d'accueil d'Occident, où les buildings célestes se dressent face aux éléments. Il rêve que là-bas il vivra riche et insouciant, qu'il aura un beau travail, une belle maison et plein d'enfants. Il paraît puis là-bas c'est gris et nonchalant, c'est des regards désobligeants et de la misère pour les pauvres gens. Il paraît puis là-bas c'est déception et affrontement, c'est des grillages, des barrières, des petites cases de l'isolement. Il cherche à partir, le cœur en exil. Il aura sa place dans le navire qui s'éloigne, accroché au désir de voir le décor d'une carte postale. Il cherche à s'enfuir, le cœur en exil. Il aura sa place dans le navire qui s'éloigne, accroché au désir de voir le décor d'une carte postale. Le décor d'une carte postale. Le décor. À partir, le cœur en exil. Il aura sa place dans le navire qui s'éloigne, accroché au désir de voir le décor d'une carte postale. Il cherche à s'enfuir, le cœur en exil. Il aura sa place dans le navire qui s'éloigne, accroché au désir de voir le décor d'une carte postale.